All rise. Veuillez-vous lever. The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia is now in session. L'adjoint du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie est ouvert. Please be seated. Good morning to everyone in and around this courtroom. Mr. Wetterstrand. Le président, bonjour à toutes et à tous dans le prétoire et à l'extérieur du prétoire. Monsieur le greffier d'audience, s'il vous plaît, citez l'affaire. Le greffier d'audience, bonjour, monsieur le président, monsieur le juge, c'est l'affaire IT-0992-T. Le procureur contre Ratko Mladic. Le président, merci, monsieur le greffier. Maître Lukic, est-ce que la défense est prête pour commencer ses plaidoiries? Maître Lukic, oui, monsieur le président. Le président, vous pouvez poursuivre, maître Lukic. Merci, monsieur le président. Bonjour à toutes et à tous. L'accusation a indiqué clairement qu'elle considère que le général Ratko Mladic est coupable, mais ceci est en conformité avec leur point de vue concernant la façon à laquelle quelqu'un doit être jugé pour crime de guerre. Et elle essaye d'établir, à travers ce point de vue, de nouvelles règles pour évaluer la culpabilité. Et on peut voir dans l'acte d'accusation, paragraphe 12, l'indication claire pour ce qui est de comment l'accusation définit la culpabilité. Si quelqu'un, un membre de la JNA, des autorités de la police serbe ou membre du gouvernement, des Serbes de Bosnie, des structures policières des Serbes de Bosnie, des structures municipales des Serbes de Bosnie, de la VRS ou tout simplement un Serbe de Bosnie, alors il est automatiquement coupable d'avoir pris part à une entreprise criminelle commune qui englobe deux génocides séparés. Plus tard, la défense a indiqué que cela s'appliquait littéralement à tout Serbe de Bosnie âgé de plus de 16 ans, ce que l'accusation n'a jamais contredit, nié ou corrigé. Cette définition de culpabilité a été toujours présente comme toile de fond de la présentation des moyens à charge de l'accusation et pour ce qui est de leur façon d'interpréter les éléments de preuve. Donc, d'après l'accusation, le général Ratko Mladic est déjà coupable au moment où l'acte d'accusation était signé, puisqu'il est soldat, puisqu'il est officier, d'abord au sein de la JNA et plus tard au sein de la VRS. Il est coupable, d'après l'accusation, tout simplement parce qu'il est serbe et parce qu'il a essayé de défendre son pays, d'abord la Yougoslavie et ensuite la République Srpska, de le défendre des attaques et de la guerre qui ont été commencées par les autres et qui ont poursuivi cette guerre. Et ce n'était pas les Serbes qui ont commencé la guerre. L'accusation veut imputer de façon stricte la responsabilité à toutes les personnes qui sont serbes, toutes les personnes qui occupaient une position dans le cadre du gouvernement serbe légitime, dans le cadre des autorités civiles et militaires. C'est rien d'autre que la culpabilité collective inacceptable. Ils veulent que le général Mladic soit jugé pour les crimes commis par le peuple serbe, mais perçu par l'accusation. Nous devons souligner que la présentation des moyens à charge de l'accusation, au moins comment cela est présenté dans leur mémoire en clôture, et ce n'est pas comment ils ont présenté ces éléments de preuve dans l'acte d'accusation que le général Ratko Mladic est coupable pour les choses qui se sont passées en Bosnie-Herzégovine avant qu'il ne soit devenu commandant de l'état-major principal de la VRS le 12 mai 1992. Et encore une fois, cela montre que
l'élément essentiel des motifs de l'accusation est de condamner le général, comme l'a dit Tchè, puisqu'il est serbe, puisqu'il agissait en conformité avec la législation nationale et en conformité avec son devoir et ses obligations de servir dans l'armée de son pays pour défendre son peuple de la guerre qui était en train de se préparer contre eux et de se poursuivre sur le niveau local et sur le niveau international. Si c'est le critère pour ce qui est de la preuve appropriée, je veux dire, si quelqu'un qui est serbe et membre de la JNA et plus tard de la VRS défendant son peuple et son pays contre un ennemi armé qui utilisait le fanatisme ethnique et religieux pour prendre le pouvoir, alors dans ce cas-là, oui, le général Mladic est coupable. Et non seulement le général Mladic est coupable, mais aussi tout officier militaire qui n'avait jamais servi dans une armée de n'importe quel pays du monde entier. Et c'est le résultat absurde qui émanerait de la tactique de l'accusation consistant à présenter de façon sélective les éléments de preuve et à essayer de modifier la façon à laquelle la charge de la preuve fonctionne au procès, au pénal. Aujourd'hui, notre tâche est ainsi, dans les jours qui vont suivre, est de rappeler vous, monsieur le juge, ainsi que le public, dont la partie non serbe avait peut-être déjà condamné notre client après la lecture de l'acte d'accusation, que l'acte d'accusation ainsi que la politique de considérer tous les Serbes collectivement coupables d'avoir pris part à une entreprise criminelle commune et de rejeter la responsabilité sur le général Ratko Mladic pour tous les crimes jamais commis par les Serbes aux terres connues ou inconnues est inappropriée. Plus tard, aujourd'hui, nous avons parlé des critères appropriés et de la façon à laquelle la charge de la preuve est censée fonctionner pour montrer que, d'après les critères appropriés, cette accusation n'a pas donc réussi à faire cela de façon appropriée et en conséquence que Ratko Mladic n'est pas coupable. Maintenant, j'aimerais rappeler tout le monde que vous, monsieur le juge, vous allez juger Ratko Mladic, mais l'histoire va juger ce procès et vous, en tant que juge, par rapport au verdict que vous allez prononcer, l'histoire va juger si la justice a été faite, s'il y avait des situations où la justice a été contournée et si l'accusation a pu se... Ici, on a permis à l'accusation de se fonder sur la propagande, sur les éléments de preuve erronés et critères inappropriés pour condamner Ratko Mladic, puisqu'il est déjà considéré comme étant coupable par beaucoup de personnes. Et c'est la première fois dans ma carrière de juriste, d'avocat, que je suis ici devant trois juges, dont deux dans d'autres affaires précédentes, avait explicitement déclaré mon client coupable avant qu'il ne soit jugé et sans possibilité de se défendre. C'est la première fois que je suis debout devant une chambre de première instance dont une partie du personnel travaillait précédemment dans une autre affaire où mon client avait déjà condamné, encore une fois, sans lui avoir donné la possibilité de se défendre puisqu'il n'était pas traduit en justice à cette époque-là. C'est votre obligation et c'est votre devoir de mettre de côté votre point de vue préjudiciable que vous avez peut-être adopté pendant ces autres procès précédents et de se concentrer sur les éléments de preuve présentés dans cette affaire, non pas sur les éléments de preuve que l'accusation veut qu'ils soient considérés ou que vous avez retenu d'autres affaires précédentes. Et j'espère que vous, en tant que juge professionnel, vous pouvez considérer ces éléments de preuve sans les préjuger et de... Donc,
Nous sommes préoccupés puisque certaines de vos décisions montrent que ce peut-être n'est pas comme cela. En particulier que récemment, vous avez confirmé que vous avez déjà vu un problème et vous n'avez pas commencé à travailler sur le jugement et même avant que les mémoires en clôture ne soient déposées. Donc ces choses et d'autres choses qui se sont passées pendant ce procès ont choqué les professionnels de la justice partout dans le monde puisque les procédures sont tellement différentes dans ce procès par rapport à d'autres procès qui sont déroulés devant ce tribunal et par rapport à d'autres procès au pénal dans le reste du monde. Je vous rappelle que bien que le TPY grec avait et modifié certaines procédures, cela n'a pas été modifié par rapport aux choses essentielles d'après l'article 21. Le Jean Mladic a le droit d'être traité de façon égale que les autres accusés jugés devant ce tribunal et il a le droit de garantir à un procès équitable. Au lieu de se concentrer sur les ordres concrets, sur le comportement du général Ratko Mladic et sur la personne de Ratko Mladic en tant qu'être humain, l'accusation dans son mémoire en clôture et dans ses arguments que nous avons pu entendre durant cette semaine essaye de montrer le général Mladic en tant que surhomme ayant les capacités de tout savoir, d'être omniscient, d'être omnipuissant, de voir, d'entendre, de contrôler tout et tout le monde en Bosnie-Herzégovine, même avant qu'il ne soit venu dans la République Srpska, qu'il ne soit nommé commandant de l'état-major principal. Monsieur le Président, Messieurs les juges, notre travail est de rappeler les juges, de rappeler l'accusation, de rappeler le public, non seulement le public qui nous regarde aujourd'hui, mais également des générations futures qui jugeront ce procès. Que Ratko Mladic est une personne, est un être humain, un homme, pas un surhomme. Ratko Mladic est un accusé. Il est ici devant vous, il est innocent, il est protégé par les garanties concernant le procès équitable, garanti par le statut de ce tribunal. Il est innocent et vu le principe de la présomption d'innocence, l'accusation doit prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable et par rapport aux éléments de preuve dont parlera plus tard mon collègue maître Ivetic, vont montrer que l'accusation n'a pas pu donc apporter des preuves pour dépasser ce principe de présomption d'innocence lorsqu'on applique l'analyse appropriée de la charge de preuve de la preuve. Je veux également vous rappeler que le contexte est toujours important et que souvent il est fait abstraction de ce contexte où il est présenté de façon erronée par l'accusation. Pour accepter ou admettre la thèse de l'accusation, il nous faudrait imaginer que les Serbes ou les forces des Serbes de Bosnie agissaient dans un espace vide où il n'y avait que des musulmans et des croix de Bosnie, des civils innocents. Est-ce qu'on peut regarder maintenant la diapositive suivante? Pour pouvoir croire la perception de l'accusation, nous devrions faire abstraction de la présence et des activités d'un opposant armé qui était composé de plusieurs organisations paramilitaires, de plusieurs armées. Et mon travail est de vous rappeler que le général Mladic ainsi que la VRS et également le peuple de la République Srpska faisaient l'objet de menaces et était attaqué non seulement par la Ligue patriotique armée et ses pièces P058-97, P06-277, P031-33, non seulement par les bérets verts, c'est la pièce P038-44, P040-68 et P065-65, non seulement par l'armée de Bosnie-Herzégovine, P071-71, D0-12-43,
non seulement par le HVO croate, non pas seulement par l'armée croate régulière qui donc traversait les frontières de façon illégale pour passer en Bosnie-Herzégovine, P004192, page du compte-rendu 4103, ensuite pièce D01661, page 37, pièce D00867, D00614, mais également par les forces de l'OTAN et de la Fort-Pronu qui ont pris partie des forces ennemies, de ces forces ennemies, et qui ont agi de façon partielle pour utiliser, en fin de compte, une force meurtrière pour tuer les Serbes et détruire les infrastructures serbes. Si il faut juger, Ratko Mladic, pour tout ce qui s'était passé en Bosnie-Herzégovine, alors nous devons considérer également le fait que tous les autres y étaient armés et avaient un rôle dans les choses qui se sont passées. Je vous rappelle que le SDA des musulmans de Bosnie s'est préparé pour la guerre en secret, armé, la Ligue patriotique et les bérets verts dans toutes les municipalités en Bosnie-Herzégovine déjà en 1990 et 91, beaucoup de temps avant que le général Mladic, Ratko Mladic, soit venu à la tête de l'état-major principal de la VRS le 12 mai 1992. Les éléments de preuve montrent que l'état-major de la Ligue patriotique a été établi à Sarajevo, qu'il disposait de 9 états-majors au niveau régional, ainsi que 103 autres états-majors au niveau municipal et pour des unités territoriales plus petites. À partir du mois d'août 1992, par le biais de ses activités du SDA, à peu près 170 000 hommes ont été armés et ont été organisés au sein de 28 brigades, 138 détachements à des fins diverses et 16 bataillons indépendants. Les membres armés de la Ligue patriotique et des Bérets verts existaient partout en Bosnie-Herzégovine au niveau des municipalités déjà en 1991, et cela on peut trouver dans les pièces D01878, D646, P1999, page 42, et D1661, page 9. Et ces combattants armés n'ont pas disparu et ne se tenaient pas pacifiquement. Après le général Mladic était venu en Bosnie-Herzégovine, leur présence et leurs activités en Bosnie-Herzégovine représentent un contexte important pour ce qui est des événements qui se sont passés et auxquels l'accusation fait référence. Nous avons les éléments de preuve selon lesquels en 1992 dans la Posavina il y avait 15 brigades de la République de Croatie qui donc faisait le roulement et qui était présente sur le front dans ces étapes critiques du conflit. Il y avait également 50 000 membres armés du HVO présents en Bosnie pendant la guerre dans les années 90, D1661, page 54. Excusez-moi, mon collègue maître Ivetic vient de me rappeler que j'ai dit que j'aurais dit dire HVO. Merci. Est-ce qu'on peut maintenant regarder la diapositive suivante? Merci. Il faut que nous rappelions également que le président du SDA des musulmans de Bosnie, Alija Izetbegovic, était venu au pouvoir sur la base du programme prônant le fondamentalisme islamique et la supériorité sur les Serbes D01532 et le jugement de 1983 prononcé contre Alija Izetbegovic pour ses activités dirigées contre la SRFY qui a été rendu par le tribunal de district de Sarajevo. À la page 14 dans le prétoire électronique, nous pouvons voir que ce jugement a pris en compte de
beaucoup de conférences et de discussions où Izetbegovic a promu des idéaux suivant, je cite, l'objectif de la révolution islamique d'un autre pays, à la création d'un État islamique unifié, comprenant la Bosnie-Herzégovine, le Sandjak et le Kosovo. Et qu'il faut mener le djihad pour atteindre l'objectif final, pour exterminer l'ennemi et les infidèles. Nous ne devrions pas attendre qu'un défi nous soit jeté ou attendre une provocation. Les musulmans doivent concevoir ce défi eux-mêmes. Ils doivent représenter ce défi et l'objectif va s'en suivre. Les musulmans doivent être confrontés à tous les non-musulmans et aux communistes. Fin de citation. Izetbegovic a publié à nouveau la déclaration islamique en 1991. Cela a été versé au dossier comme pièce à conviction D00557. C'est un passage de cet ouvrage qui a été versé au dossier, mais cela suffit pour en dire suffisamment. À la page 14 dans le prêteur électronique, il est dit, je cite, « La première et l'une des plus importantes de ces conclusions est la conclusion disant qu'il y a incompatibilité entre l'islam et l'existence des systèmes non islamiques. Je cite, il n'y a pas de paix ni de coexistence entre la religion islamique et les institutions sociales et politiques non islamiques. » Fin de citation. Plus tard, Izetbegovic, à la page 25 de sa déclaration islamique, a dit, je cite, « Le mouvement islamique doit et peut prendre le pouvoir dès qu'il est moralement et numériquement fort à tel point qu'il puisse non seulement détruire le pouvoir non islamique, mais qu'il soit en mesure d'être le nouveau pouvoir islamique. » Then other. Ensuite, d'autres publications bosno-musulmanes qui ont défendu la cause d'Izetbegovic, celle que Vox, publiée en octobre 1991, ce qui a été versé au dossier sur la cote D, 1991. D00580. Regardons pas seulement la traduction, mais également l'original en bosniaque pour voir ce qui y est représenté et l'image que nous pouvons voir. Ici, nous avons un soldat islamique de la division Hanjar de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une unité nazie qui pose le pied sur les têtes coupées de ce qui semble être des tchétniks serbes qui ressemblent entre autres à Radovan Karadzic avec la manchette. Le 4e Reich arrive. Bienvenue. Cet article en particulier a provoqué énormément, a suscité une crainte et une angoisse importante parmi les Serbes qui redoutaient ce que l'avenir leur réservait. Confère la déposition du témoin Vucic, c'est ce qu'il nous a dit, à la page du compte-rendu d'audience 24198 et 24199. Le journal Vox n'était pas un groupe marginal. Ce journal a été publié par le président de la région du SDA, ainsi que le fils du maire de la municipalité de Sarajevo, qui travaillait étroitement avec Alija Izetbegovic. Comme nous l'ont relaté deux témoins, Vucic, page du compte-rendu d'audience 20198, et Kecmanovic, page du compte-rendu d'audience 23973. Un autre article de Vox, datant du mois d'octobre 1991, versé sous la cote D00558. Regardons cet extrait dans notre présentation PowerPoint. Les rubriques nécologiques publiées.
et concernant des dirigeants politiques serbes importants en Bosnie-Herzégovine. Le témoin Kecmanović nous a dit que ces personnes étaient toujours vivantes au moment où ces rubriques ont été publiées. Si vous mettez ces deux extraits côte à côte, vous constatez que Karadžić, Kolijević et Kecmanović ont une ressemblance avec les trois têtes coupées. Tout ceci s'est passé avant même que Ratko Mladić ne pose le pied en Bosnie-Herzégovine en uniforme de la VRS. De tels événements ont certainement influé sur ce qui s'est passé par la suite. Ensuite, des éléments contextuels nous échappent. Comment l'édifice constitutionnel de la Bosnie-Herzégovine prévoyait-elle une représentation tripartite égale des trois groupes ethniques, chacun ayant un droit de veto pour empêcher toute discrimination ou menace? Page du compte-rendu d'audience 23807, page du compte-rendu d'audience 42216, page du compte-rendu d'audience. Cependant, les partis musulmans et croates de Bosnie ont contourné et violé ces règles constitutionnelles et ont appelé à un référendum illégal sur l'indépendance, privant ainsi les Serbes de leurs droits. Confère à la page du compte-rendu d'audience 42229, la pièce P 3005, pages 34 et 35, P 3006, page 1, P 0 7770, page 22, D0, 15, 17, page 1, et P7040, page 1. Un autre contexte, celui dans de la manière dont les musulmans du SDA se sont mis à promouvoir les musulmans d'appartenance ethnique au sein du MOUP, allant au-delà de ces règles tripartites établies sur une représentation égale, mobilisant des réservistes au sein du MOUP, qui étaient des musulmans, tout en se débarrassant des officiers serbes. P03-208, page 1 et 2, D759, page 1 et 2, D734, P 6900, page 1, P3005, page 7. Encore une fois, tout ceci s'est passé avant l'arrivée de Mladić. Néanmoins, nous disposons de deux ordres qui ont été émis avant l'arrivée de Mladić, de façon clandestine par le SDA du Sarajevo, les dirigeants du SDA de Sarajevo, Hasan Efendić, envoyé au commandant de la TEO, et Alija Deli Mustafić. Hasan Efendić a envoyé ses ordres au commandant de la TEO et Alija Deli Mustafić et le ministre du MOUP, appelant à leurs frères d'attaquer les convois de la GNA et d'attaquer les installations de la GNA et de les assiéger, D625, D829. Nous avons constaté qu'il y a eu des attaques sanglantes menées par les forces musulmanes de Bosnie contre le personnel de la GNA à Sarajevo et à Tuzla. Au moment même où le personnel de la GNA se retire dans un esprit pacifique et non armé, dans le cadre d'un accord négocié, P04946, D646, numéro 34, et D968, paragraphe 22. Nous disposons d'éléments de preuve indiquant que des Moudjahidines ont été mis à contribution pour se battre aux côtés des forces musulmanes de Bosnie de Izetbegović, voire même de la BIH des Nations Unies et d'autres groupes se battre à leur côté. Dès 1871, source de la BIH, et dès 2128, qui est le groupe d'experts des Nations Unies. Le D918,
est une vidéo qui a été versée au dossier et qui se fonde sur les images montrant que la partie musulmane de Bosnie a mené ses propres actions. Nous allons voir plusieurs vidéos maintenant. Ici, nous voyons la création de l'unité des Moudjahoudines. Est-ce que nous pouvons entendre ce passage, s'il vous plaît? So it was played 10. Ensuite, donc, au compteur 10:42 à 11:02, la vidéo suivante montre Alija Izetbegović inspectant l'unité des Moudjahidines, 12:21 à 13 au compteur. Le président, nous avons entendu un certain nombre de termes prononcés. Je ne sais pas, nous n'avons pas eu la traduction. Est-ce que la traduction a été versée au dossier? Maître Lukic, oui, cela a été versé au dossier. Donc, veuillez transmettre les parties pertinentes aux cabines d'interprètes pour que nous puissions entendre cela. Maître Lukic, nous n'avons pas fourni aux cabines d'interprètes la transcription de ces vidéos. Le président, alors si vous souhaitez que nous prêtons une attention particulière à ces extraits vidéo, il faudrait le faire. Maître Lukic, bon, si c'est à 10:42 à 11:02, cela a été versé au dossier, donc cela ne doit pas être très difficile de le retrouver. Le président, nous allons bien sûr le retrouver, mais c'est un procès public. Et peut-être que l'auditoire aura plus de mal à retrouver les passages en question et de la traduction anglaise de ces extraits. Donc, si vous visionnez d'autres vidéos ou extraits de vidéos aujourd'hui, je vous demande bien vouloir remettre les transcriptions des 10 passages aux interprètes, s'il vous plaît. Mais pour l'instant, je crois que nous pouvons mettre le kitsch à ce moment-là. Je vais sauter un passage et puis j'y reviendrai après. Actually, I tried to skip, but I cannot since. J'ai pensé pouvoir sauter certains passages, mais ce sera hors contexte. Bon, alors je vais montrer la vidéo. Et en tout cas, les personnes dans la galerie du public pourront voir la vidéo, pas ce qui a été dit. Ah, c'est facile à suivre sans texte. Le président, alors effectivement, si il y a un texte et que cela est suffisamment clair, bon, écoutez, je ne sais pas, mais peut-être que vous pourriez lire ou... Attendez, je vais regarder. Les paroles qui sont prononcées. Ça n'est pas ainsi que nous devons procéder. Même si nous procédons de la sorte pendant les 20 prochaines minutes, il faut vous assurer après cela que les juges et l'accusation, ainsi que les personnes dans la galerie du public, ou le public en général, sachent de quoi il s'agit. Maître Lukic, merci, Monsieur le Président. Je préparerai les transcriptions à l'avenir, le Président. Nous les avons sur nos écrans. Voilà. Another way. On ne peut pas le téléviser. Le président, alors pareil, nous pouvons faire autre chose, nous pouvons prendre une pause un peu plus tôt. Maître Lukic, si c'est possible, à ce moment-là, nous l'acceptons volontiers. Le président, donc, si vous répartissez le temps en tronçons égaux pour le temps qui nous reste, cela ne devrait pas poser de problème à M. Mladic, c'est-à-dire que les volets d'audience suivants vont peut-être dépasser une heure. Maître Lukic, je vais vérifier, mais je ne pense pas que cela pose de problème. Le président, j'ai vu que M. Mladic hochait la tête en signe d'approbation. Nous allons donc faire une pause plus tôt que prévu et nous allons reprendre à 10:30. Oui, à vous lever.